Bien, le dernier conférencier est le professeur Dominique Rabaté de l'Université Paris 7, qui est un essayiste, critique, professeur de littérature française moderne et contemporaine. C'est un spécialiste du récit au XXe siècle, qui s'intéresse au croisement du roman et d'autres formes génériques, aux questions de voix dans la littérature moderne. Donc aujourd'hui, son propos traitera de l'asymétrie créatrice dans le cimetière marin de Valéry. Merci. Je vais emprunter à Marc Chenetier mon introduction. Je représenterai ici ce qu'il m'a dit avoir baptisé il y a quelques années en discutant avec des collègues de l'IUF, les sciences assises. Donc je parlerai frontalement devant vous sans image. Faisant surgir de ma seule parole les réflexions sur la question de l'asymétrie ou de la symétrie. Effectivement, il y a les sciences debout et les sciences assises. Je termine avec cette deuxième classe de nos disciplines. Je voulais dire aussi que je suis très heureux d'assister à ce colloque de l'IUF, qu'il avait été évoqué il y a déjà plusieurs années quand j'ai eu la chance d'être membre junior de l'IUF à Bordeaux 3, où j'ai longtemps enseigné, et que je voulais remercier très chaleureusement tout le comité d'organisation de ces rencontres bordelaises. Alors pour ce propos de fin de colloque, je voudrais essayer de faire résonner la puissance poétique des ressources harmoniques de la symétrie, en réfléchissant brièvement aux potentialités d'une forme, c'est-à-dire d'un pattern rythmique. J'ai beaucoup entendu ce matin le mot difficile à traduire de l'anglais au français, de pattern, une sorte de patron rythmique qui ne joue pas comme une structure rigide, mais plutôt comme une matrice pour l'invention et la composition esthétique. Le mot de composition est à entendre ici en son sens musical, et c'est un mot que Paul Valéry emploie très souvent quand il réfléchit à la question de la création artistique. C'est-à-dire qu'il faut entendre cette forme comme une organisation dynamique d'une force expressive. Et je crois que quand on travaille sur l'art, sur la littérature, on s'intéresse donc au rapport, à la dynamique, aux tensions entre une force qui bouscule et déplace la forme, mais que la forme réussit malgré tout à configurer, à produire. C'est donc autour de ce rapport dialectique ou dynamique entre une forme et un sens que je veux faire entendre le cœur de l'acte créateur, acte créateur lui-même central dans l'écriture littéraire, et tout spécialement dans la poésie, si la poésie est l'union la plus forte possible, selon une formule célèbre de Paul Valéry, d'un son et d'un sens, c'est la définition du vers, l'hésitation prolongée entre un son et un sens. Alors, vous comprendrez que ce principe de symétrie et d'asymétrie est au cœur de la poésie versifiée, de la métrique poétique, mais aussi au-delà, dès lors que la poésie sort de la versification, comme art du nombre et du rythme. Je voudrais donc évoquer avec vous cette fascinante question que je crois être au cœur des études littéraires, dès lors que nous pensons que le langage n'est pas seulement un médium, mais plutôt la forme exacte de ce qui est dit par la façon même de le dire. Alors, pour évoquer la richesse des rapports entre symétrie et asymétrie, j'aurais pu prendre le cas, l'exemple emblématique du sonnet et la fabuleuse productivité asymétrique d'une forme qui est 2, 4, 1, 2 tercés, 8, 6, ou 2 fois 4, 2 fois 3. Un très grand nombre de travaux ont déjà évoqué la machine binaire et dissymétrique du sonnet.
J'ai préféré choisir un poème que j'aime beaucoup. J'espère que certains d'entre vous le connaissent. S'ils ne le connaissent pas, j'espère qu'ils auront envie de le lire. Ceux qui le connaissent auront envie de le relire, j'espère. Ce poème, c'est « Le cimetière marin » de Paul Valéry, dont je vous ai distribué quelques extraits. J'avais d'abord hésité à vous faire une sorte de best-of, mais j'ai renoncé à cette impertinence. Donc je vous ai mis le début du poème et la fin. Évidemment, je vous invite à lire ou relire l'ensemble des 24 strophes de 6 vers qui le composent. Si j'ai pris le cimetière marin, c'est parce qu'il réalise, je trouve, de façon intéressante les ressources créatrices de ce que j'appellerais l'asymétrie dynamique. Car le choix inaugural majeur de Valéry pour ce poème est en effet d'avoir choisi d'écrire un poème en décasyllabes, c'est-à-dire un vers de 10 syllabes. Et je vais lire assez longuement un passage de Variété. Valéry, vous le savez, a beaucoup commenté ses œuvres. Il est à partir des années 20 autant poéticien que poète. Et il a amorcé, je le rappelle rapidement, il a amorcé un spectaculaire retour à la poésie dans les années 1915-1920. La carrière de Valéry, c'est d'abord des recueils écrits très jeunes de poésie symboliste post-mallarméenne, et puis un très long silence d'écriture, un abandon de la poésie, jusqu'à ce que Valéry revienne à la poésie par la publication de La Jeune Parque, qu'il écrit pendant la Première Guerre mondiale. Alors on peut dire que cette deuxième partie de son œuvre poétique en fait un poète tardif, au sens où il vient après les œuvres de jeunesse symboliste, mais aussi poète tardif parce qu'il incarne dans la poésie française un peu les derniers feux de la versification et de la prosodie française, alors que le vers régulier est de moins en moins à l'ordre du jour de l'écriture poétique. C'est à peu près contemporain des surréalistes quand même, donc il faut mesurer. Poète tardif, ça veut dire aussi que Valéry hérite d'une extraordinaire richesse et d'accumulation de pratiques. Et je ne ferai pas une explication de texte du cimetière marin, ça nous prendrait trop de temps, mais on y entend des échos très concertés de Racine, de Hugo, du symbolisme français, ou de la pratique baudelairienne de la diérèse. La diérèse, ça consiste à dire lion, scintillation, à découper ce qui doit être normalement une syllabe en deux syllabes. Alors, je voudrais vous lire un passage que je trouve très intéressant de Variété, avec d'abord cette réflexion qui est une réflexion importante pour le propos qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le rapport entre une forme et une force. Valéry note ceci: « Si donc l'on m'interroge, si l'on s'inquiète de ce que j'ai voulu dire dans tel poème, je réponds que je n'ai pas voulu dire mais voulu faire, et que ce fut l'intention de faire qui a voulu ce que j'ai dit. Quant au cimetière marin, cette intention ne fut d'abord qu'une figure rythmique vide ou remplie de syllabes vaines qui me vint obséder quelque temps. J'observai que cette figure était décasyllabique et je me fis quelques réflexions sur ce type fort peu employé dans la poésie moderne. Il me semblait pauvre et monotone. Il était peu de choses auprès de l'alexandrin que 3 ou 4 générations de grands artistes ont prodigieusement élaboré. Le démon de la généralisation suggérait de tenter de porter ce 10 à la puissance du 12. Il me proposa une certaine strophe de 6 vers et l'idée d'une composition, le mot est en italique, fondée sur le nombre de ces strophes et assurée par une diversité de tons et de fonctions à leur assigner. Entre les strophes, des contrastes et des correspondances devaient être institués. Cette dernière condition exigea bientôt que le poème possible fût un monologue de moi. Tout ceci menait à la mort et touchait à la pensée pure. Le vers choisi de 10 syllabes a quelque rapport avec le vers dantesque. Il fallait que mon vers fût dense et fortement rythmé. Je savais que je m'orientais vers un monologue aussi personnel, mais aussi universel, que je pourrais le construire. Alors Valéry
fait son Edgar Poe, hein, dans, comme dans The Philosophy of Composition, où Poe explique comment il a écrit le poème Le Corbeau. Hein. Le type de vers choisi, la forme adoptée pour les strophes, me donnait des conditions qui favorisaient certains mouvements, permettaient certains changements de ton, appelaient certains styles. Le cimetière marin était conçu. Il ajoute quand même un assez long travail sans suivi, hein, puisqu'il y a quand même mis 3 ans pour l'écrire. Alors, je voudrais réfléchir à cette très belle formule, porter ce 10 à la puissance du 12. Et peut-être que Valéry réalise ce qu'il a, dans une lettre de 1917, il dit qu'il cherche l'instrument que je voudrais maintenant essayer, la strophe lyrique et ses modulations possibles. Il dit qu'il ne l'a pas encore. Il est pourtant en train de finir la jeune Parc. Hein. Donc, avec cette espèce de façon un peu ironique et très maîtrisée d'indiquer que tout le poème est comme un jeu de l'esprit et comme la solution ou la résolution d'un problème à trouver, hein, je veux insister, parce que je crois que c'est très important pour nous quand on fait lire des textes à nos étudiants, à nos élèves, sur le potentiel créateur de la forme initiale. Le décasyllabe choisi est choisi pour son potentiel justement asymétrique. Par rapport à l'alexandrin, c'est un vers qui ne peut pas se césurer de façon symétrique en 6-6. Hein. Et le décasyllabe est cependant un vers pair qui permet la combinaison, je ne veux pas être trop technique, hein, mais qui permet des combinaisons qui peuvent faire des 4-4, des 6-6, des... Hein, donc c'est un vers qui peut produire toutes sortes de musiques dès lors que les découpes sont gommées par les enjambements, et vous en avez toutes sortes d'exemples dans le cimetière marin, hein, et la forme ou croissante ou décroissante d'un décasyllabe qui sera 4-6 ou 6-4. Alors, on pourrait s'amuser à chercher, toutes les possibilités formelles sont quasiment remplies dans l'ensemble du poème, avec toutes sortes de variations. Hein. Mais ce qui me paraît très important, c'est que Valéry ne choisit pas un vers impair, alors même que toute la fin du XIXe siècle est occupée à toutes sortes d'expérimentations très riches à partir de Verlaine, hein, sur le vers impair, et que Valéry écrit un certain nombre de textes dans Charme, c'est le recueil auquel appartient le cimetière marin, avec des vers impairs. Mais il refuse la symétrie noble de l'alexandrin. Je note au passage que dans un petit texte de fiction de Borges, qui s'appelle Pierre Ménard, auteur du Quichotte, Pierre Ménard, c'est cette invention de Borges, de cet homme qui réécrit au XXe siècle le Quichotte exactement de la même façon. Et dans les écrits de Pierre Ménard, il y a aussi cette chose qui me fait beaucoup rire, mais c'est peut-être un peu private joke pour littéraire, mais Pierre Ménard a réécrit le cimetière marin en alexandrin. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a rien compris au cimetière marin, puisque ce que je veux démontrer, c'est que toute la structure du cimetière marin tient à son décasyllabe. Pourquoi ? Parce que c'est le vers qui justement nomme, dit, formule, configure l'impossibilité d'arrêter le temps, l'impossibilité de la stase symétrique du temps. Hein ? L'ensemble du poème de Valéry est en effet une méditation sur le changement et sur le flux du temps. Je relis la première strophe qui le dit clairement. « Ce toit tranquille où marche des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes. Midi, le juste, y compose de feu, la mer toujours recommencée, aux récompenses après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Hein, » c'est « Midi, le juste, y compose de feu ». Donc c'est l'heure médiane, c'est l'heure de l'arrêt, c'est l'heure, en philosophie ce serait que l'être est du côté de l'immobilité et non pas du mouvement. Et donc le mouvement du poème tient à cette dynamisation, à ce passage du temps, hein, du flux, du mouvement, qui est modulé de toutes les façons possibles par cette composition dynamique interne à la ressource du décasyllabe, c'est-à-dire 6-4 ou 4-6. Ce que je veux dire par là, c'est que cette formule dynamique tourne autour d'un équilibre introuvable.
Hein, il n'y aura pas de pur arrêt. Alors, quelle serait la preuve de cette affirmation ? C'est que justement, dans ce poème, il y a un vers qui est un vers qui est construit comme un décasyllabe en 5-5. Hein, et je me souviens que j'ai, il y a très longtemps, fait un cours d'agrégation sur le cimetière marin et j'avais posé, c'était la seule question que j'avais posée à l'étudiant qui avait fait la leçon sur le cimetière marin. Je lui avais dit, où est le vers qui est césuré 5-5 ? Et après, je m'étais fâché très fort en disant, mais quoi, vous ne l'avez pas vu, c'est un... Alors, je vais vous le donner, c'est dans la sixième strophe qui commence par « Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change, après tant d'orgueil, après tant d'étrange oisiveté. » Donc, il me paraît tout à fait remarquable que Valéry ait produit un vers de 5-5, c'est-à-dire que ce serait le vers symétrique. Alors, en poésie française, ce serait un vers symétrique de nature particulière, puisque le vers impair est senti comme asymétrique ou non stable. Donc, le seul moment où quelque chose comme une figure de pure symétrie, de pure stase arrive, évidemment, c'est qu'elle est dissymétrique dans sa musique particulière, puisqu'elle n'est pas paire. Et puis, de toute façon, vous aurez remarqué que le vers ne peut pas vraiment se stabiliser en 5-5, puisqu'on est emporté par l'enjambement et qu'on est obligé de dire après tant d'orgueil, après tant d'étrange oisiveté, c'est-à-dire qu'en fait, on produit un nouveau vers impair de 9 syllabes qui va lui-même se stabiliser autour de ce qui nous est le plus rassurant et le plus familier, c'est-à-dire un demi-alexandrin, un hémistiche de 6 syllabes, hein, mais pleine de pouvoir. Hein. Donc, on voit là, je crois, que justement tout le poème a choisi une sorte de patron rythmique, hein, qui produit ce que Valéry appelle l'exigence des contrastes à produire et d'une sorte d'équilibre à observer entre les moments de ce moi, puisque toute la méditation philosophique sur le temps, sur l'immobilité ou le mouvement de l'être est aussi une méditation biographique, autobiographique sur la jeunesse, sur le passé. Hein, Valéry est dans ce cimetière marin de Sète où il est, vous le savez maintenant, enterré comme Georges Brassens. Cette méditation sur le temps donne lieu donc à une sorte de sensualité des souvenirs et à l'appel final que je vous ai mis dans la deuxième partie de la colonne, l'appel final à la régénérescence et à l'éloignement de soi. Donc tout le poème est construit autour d'une idée néoclassique de l'équilibre, c'est le vers pair, mais dans un rapport dynamique d'une asymétrie qui est pour Valéry la vérité de l'être. Être au sens général, hein, le goût de la généralisation chez Valéry, mais de l'être particulier, de l'être sensible, hein, celui qui va justement mourir et qui revoit la singularité de son existence. Alors, rassurez-vous, je ne veux pas être ultra technique, mais cette asymétrie, elle est aussi au cœur de la strophe et de la rime dans le cimetière marin. Hein. Plutôt que de faire l'explication de ce texte, je souhaiterais surtout faire entendre justement ce que Valéry appelle le fer du poème, ou ce que j'appelle dans un livre que j'ai publié il y a quelque temps, son geste lyrique particulier. Hein. Si vous regardez la structure des rimes et des strophes, chaque strophe est composée d'une rime plate initiale suivie d'une rime embrassée, mais vous observerez que la rime embrassante est systématiquement masculine. Donc il y a prédominance de la rime féminine, mais embrassement par la rime masculine. C'est-à-dire là encore, union, refermeture sonore, complétude du son et du sens, pourrait-on dire avec Valéry, mais dans un système qui n'est pas exactement stabilisé, puisque c'est la strophe de 6 et pas le 4-1 qui est choisi. Vous noterez au passage, alors là, en général, mes étudiants se désespèrent, parce que vous noterez au passage que la contrainte supplémentaire que s'est fixée Valéry permet d'observer même, qui est assez typique du post-symbolisme français, une prédominance de la rime masculine vocalique,
qui est plus légère et dont l'effet musical est plus recherché, hein, puisque toutes les rimes masculines qui font la rime embrassante de la fin de chaque strophe se modulent autour, je donne juste les sons en war, heur, ur, er, ir, à l'exception de trois qui sont elle et eille, et de la rime finale qui a été beaucoup reprochée à Valérie, hein, c'est la rime rock, foc, la dernière rime qui est en hoc. Hein. Alors, vous concevez avec moi qu'il faut sans doute un très long exercice pour arriver à une maîtrise des moyens techniques de la versification et du poème. Le plus remarquable est que cette maîtrise donne pourtant le texte le plus personnel peut-être de la poésie de Valérie, avec des vers particulièrement résonnants, ces vers qui forment pour moi une sorte de mémoire métonymique de l'ambiance du poème. Alors, je ne résiste pas à vous en donner quelques-uns pour moi que je trouve très beaux. Le changement des rives en rumeur, le don des morts à passer dans les fleurs, vous ne l'avez pas dans les extraits que je vous ai donnés. Le très hugolien passage, je paie longtemps, mouton mystérieux, le blanc troupeau de mes tranquilles tombes. Et le final auquel je pense souvent quand je suis à Osgore à la plage, courons à Londres en rejaillir vivant. Et puis bien sûr, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ces vers sont eux-mêmes remplis de mémoire poétique, je l'ai évoqué, comme une sorte d'hommage et de reprise, où c'est aussi tout le mouvement de la poésie française qui vient se cristalliser dans ce texte. C'est donc cette attention à la forme comme matrice d'une pensée et comme modulation spécifique que je voulais rappeler. C'est un art extrême et en même temps la manifestation d'une puissance lyrique magnifique. Hein? Car c'est bien une voix lyrique qui ne s'incarne pas tout à fait en un personnage, qui aspire dans la fin du poème à une généralité, à un dépassement de soi. Les marques de première personne s'estompent dans toute la fin du poème. Il n'y a plus que des compléments d'objets ou des possessifs. Et je voudrais terminer sur une dernière asymétrie. Cette puissance lyrique du poème, je crois qu'elle repose sur une dernière symétrie asymétrique. Je veux parler ici du rapport qu'il y a pour tout poème lyrique entre le je énonciateur du poème, si la poésie lyrique est une poésie de première personne, ce qui est un des éléments de sa définition. Donc, relation entre ce jeu énonciateur, jeu créateur, disons Valérie ici, et le jeu du lecteur, moi quand je vous relis ce texte ou quand je le relis tout seul. Pour ma part, je considère qu'il est extrêmement important de caractériser la sorte de porosité énonciative du lyrisme, qui est pour moi un de ses traits définitoires. Certes, dans la poétique de Valérie, elle est tendue vers une harmonique où justement l'accord dissout les frontières de l'individu et permet cette généralisation poétique. Mais le poème lyrique, c'est toujours ce que le lecteur remet en acte. Et le poème n'existe que dès lors qu'il est reverbalisé, réénoncé. Et je tiens beaucoup à cela, c'est-à-dire réciter. Le lecteur qui occupe dans la poétique de Valérie une place tout à fait majeure. Or, ce lecteur, il me semble qu'il est justement en place asymétrique par rapport à l'auteur. C'est lui qui rejoue la puissance phonatoire, rythmique, entraînante du texte. On a besoin de sa collaboration qui n'est pas qu'intellectuelle, qui engage son corps, sa voix, sa bouche. Mais les effets de la poésie sont dans cette transmission, justement, dans cette possibilité de faire passer l'émotion et l'intention de la forme qui est donc ressuscitée ou rappelée dans chaque nouvelle lecture ou dans chaque nouvelle profération du poème. Il me semble dès lors que le poème, l'écriture littéraire, préserve la symétrie
d'un passage d'un sujet à un autre, c'est bien parce que je suis moi aussi sujet parlant, que je suis symétrique à ce jeu lyrique, mais pourtant je lui reste asymétrique comme le lecteur par rapport à l'auteur, jamais le même qui redoublerait et arrêterait, hein, à la façon mortifère de la stase, hein, de l'immobilité de l'être, mais une asymétrie justement qui relance le partage des textes, le partage des émotions, la possibilité que la forme continue de maintenir son activité au-delà de l'époque où elle a été écrite, cette asymétrie que je dirais pour ma part constitutive de l'intersubjectivité. Merci.